RMS. Le royaume de la chanson populaire. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. La vraie radio populaire. Bien, bonjour Fabrice, bonjour cher auditeur, chère auditrice, et bonjour Mamano, tu es le bienvenu dans les studios de Radio Musique Sambre. Merci beaucoup, Chris. Voilà, de ton vrai nom, Germano Lima Brito. Tout à fait, oui. Comment as-tu choisi ton nom d'artiste? Mon nom d'artiste, c'est simple. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Germana. Moi, c'est Germano, et il paraît que quand on était tout petit, de bébé, nos grands-pères nous mettaient sur ses genoux et disaient Ti mamano, ti maman. Ti mamana, ouais, ti maman. Ouais, voilà. Ouais. Donc, j'ai rien inventé. Et voilà. Et je trouvais que c'est mignon, Mamano. Et... Tu viens nous parler de toi, de ta carrière, et surtout avec un album de 13 titres. Mm-hmm. Hein, voilà, qu'on va découvrir. Qu'est-ce que tu as à dire de cet album, en façon générale? C'est un rêve, envie de sortir quelque chose vraiment propre. J'aime chanter des chansons des autres, mais j'avais envie quand même de sortir un truc à moi, où j'exprime un peu voilà, mes ressentiments. Et je suis très content d'arriver. Paf, ça n'a pas été facile. Non, c'est non. Un projet de longue date, mais voilà, je suis content d'être... Mais c'est vrai qu'on constate que beaucoup d'artistes, quand ils démarrent, reprennent des chansons d'autres. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a un renouveau dans les chansons, de façon générale, hein, ça a toujours existé. Mais je vais dire que c'est toujours bon d'avoir son propre album avec ses propres chansons, parce que chaque artiste s'exprime dans ses chansons en général, il y a le reflet de sa vie. Oui, tout à fait. C'est pas facile. De nos jours, c'est pas une critique, mais voilà, des reprises où on chante des chansons des autres, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, oui, qui oui. aimeraient bien, pour une fois, sortir, voilà, que ce soit dans la peinture ou écriture ou musique, quelque chose à dire, quelque chose propre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du premier titre, Je vous aime à revenir? Ah, je vous aime à revenir. C'est pour revenir te voir en spectacle que tu as sorti. Entre ça. Autres, ouais. Ça parle aussi, ça parle du Cap-Vert, ça parle du Portugal, ouais. La France, un peu partout, des endroits où j'ai connu, ouais. Et des personnes que j'ai quand même aimées, que ce soit la famille, amis. Donc, le titre, Je vous aime à revenir, c'est quand même une composition. J'ai travaillé cette chanson avec un monsieur qui s'appelle Michel Clément, qui a travaillé entre autres avec le frère d'Adamon, Pipo, ouais, qui ouais, malheureusement ouais. n'est plus là. Ouais. Voilà. Mais il y a cette chanson depuis des années. On y a une auditrice qui m'avait parlé de toi, justement, Marie-Agnès, qui vient d'être opérée, comme tu l'as dit. Ouais. C'est à l'écoute, on va lui offrir le premier disque, Je vous aime à revenir. Ok, pour toi Marie-Agnès, ainsi que vous tous et toutes. Celles qui me reviennent en lumière, de beaux face à la nuit,
Très très beau titre, Mamano. Tu pratiques beaucoup d'activités, le dessin, la peinture, marche à pied, natation et autres. Qu'est-ce qui te motive à tout cela? T'as une boule de nerf, quoi, t'es pas resté à rien. Oui, voilà, j'aime faire quelque chose. J'aime faire quelque chose et je n'aime pas m'ennuyer. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours une envie de faire quelque chose. Oui, oui. Oui. Mais je pense que dans la vie, pendant qu'on a la santé... il faut bouger quand même. Et alors j'ai de la chance de faire ce que j'aime vraiment. Oui. Et au Cap-Vert, la langue qu'on pratiquait le plus alors, c'était... nous avons été colonisés par les Portugais, donc la langue maternelle c'est le portugais. Ah d'accord. Et sinon nous avons le créole. Ah le créole, créole des îles, donc dialecte. Voilà. Mais j'ai pensé au créole parce qu'en écoutant certains airs, je pensais à des groupes de créole. Voilà, comme parce que moi j'aime bien la rythmique musicale. Ah oui, ouais, bien sûr. Il y a le créole, créole français, comme Martinique, Guadeloupe. Oui, la Martinique, là, c'est français. Oui, c'est le créole portugais. Ils ont un bel air de musique rythmée qui invite à danser. Mm-hmm. Quoi. Oui. Alors, quelques mots sur la chanson suivante. Pourquoi Cap-Vert, la Belgique? Oui, un jeu de mots, Cap Vert, la Belgique, oui. Cap Vert. Mais voilà, donc je retrace mon départ jusqu'en Belgique, donc Cap Vert, la Belgique. Eh bien, nous allons écouter ça. C'est un titre qui pourrait être d'actualité aussi. Hein. Cap Vert pourrait être plus vert. Ah oui. C'est pas mal, c'est pas mal. Devant les yeux, le bout du monde
des vagues d'un bleu de mer profond. J'avais le sable blanc sur ma peau noire. L'aventure à 20 ans, nouveau départ. Mais le vent me poussait déjà vers un autre monde, un monde là-bas. Et le vent me parlait de toi, dans ton pays de pluie, dans tes hivers si froids. Le cap vers la Belgique, à force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, parcourir l'Atlantique. Derrière moi je laissais mes rivages magiques pour une vie à chanter. J'avais fait mes adieux à tout le monde, et sur la vague bleue au gré de l'onde, j'avais le sable blanc à la mémoire et la vie droit devant dans le regard. Mais le vent me poussait déjà vers un autre monde, un monde là-bas. Et le vent me parlait de toi, dans ton pays de pluie, dans tes hivers si froids. Le cap vers la Belgique, à force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, parcourir l'Atlantique. Derrière moi je laissais mes rivages magiques pour une vie à chanter. Le cap vers la Belgique, de mon île enchantée, au large de l'Afrique, je vous ai rapporté les rythmes des tropiques. Faire bouger pour blinguer, voyage fantastique, pour une vie à chanter. Déjà vers un autre monde, un monde là-bas. Et le vent me parlait de toi, dans ton pays de pluie, dans tes hivers si froids. Le cap vers la Belgique, à force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, parcourir l'Atlantique. Derrière moi je laissais mes rivages magiques pour une vie à chanter. J'avais devant les yeux le bout du monde et des vagues d'un bleu de mer profond. J'avais le sable blanc sur ma peau noire. L'aventure à 20 ans, nouveau départ. Mais le vent me poussait déjà vers un autre monde, un monde là-bas. Et le vent me parlait de toi, dans ton pays de pluie, dans tes hivers si froids. Le cap vers la Belgique, à force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, parcourir l'Atlantique. Derrière moi je laissais mes rivages magiques pour une vie à chanter. Le cap vers la Belgique, à force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, le cap vers la Belgique. À force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, le cap vers la Belgique. À force de chanter, de jouer cette musique, de rire et de rêver, le cap vers la Belgique. Ce message s'adresse à tous les commerçants. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut parfois en investir un peu. Et pour ce faire, RMS Radio va vous aider. Faites parler de vous. Expliquez à nos auditeurs pourquoi ils doivent venir chez vous et pas ailleurs. Une campagne de publicité sur RMS Radio, ça commence déjà à moins de 100 euros. Oui, vous avez bien entendu, moins de 100 euros pour un mois de publicité sur nos antennes. Vous êtes intéressé? 0 495 513 126. Et bientôt, on ne parlera plus que de vous.
Besoin d'une bonne literie? Rendez-vous chez Literie de Rêve à Queumier. Mal de dos? Sommeil agité? Retrouvez des nuits au sommeil réparateur grâce à nos produits de qualité à la mesure de vos besoins. Chez Literie de Rêve à Queumier, vous obtiendrez les conseils de spécialistes en literie. Un choix incroyable et un service impeccable. Literie de Rêve, un showroom à votre disposition. 84 rue du Wénage à Queumier. Ouvert tous les jours, sauf les dimanches et lundis. Literie de Rêve, 071 85 24 16 ou sur literiederêve.be. RMS. Le royaume de la chanson populaire. Le royaume de la chanson populaire. Bienvenue dans le royaume populaire. Eh bien, Mamano, tu es né au Cap-Vert, à Boa Vista. Avais-tu des parents dans la musique? Pardon, je sais pas. Avais-tu des parents dans la musique? Que je sache, l'oncle de ma maman, c'était un violoniste. Oui. Et mon père jouait aussi du violon en cachette. Ah. Mais je viens d'une famille de musique parce que bon, je me souviens mon premier rocker, mon oncle que j'ai connu. Oui. Il m'a montré ce côté un peu rock. Il chantait, il jouait de la guitare aussi. Il s'appelle Sean. Voilà, donc je pense que ça vient de la... C'est eux qui t'ont transmis cette attirance pour la musique. La quoi. Musique aussi, bon... Et peut-être des idoles que tu écoutais en radio. Ah oui, là, il y a... Voilà, à l'époque, Tina Turner, James Brown, Elvis, les Beatles, à l'époque... Tous les classiques, quoi. Hein. Parce qu'on dit au Cap-Vert, on dit, oui, mais bon, au Cap-Vert, il y a pas... Vous n'avez pas tout ça. Si, quand même, parce que c'est plaque tournante, comme on dit, Brésil, Amérique, on trouve vite des trucs au Cap-Vert, c'est vrai. Surtout l'île de San Vicente, où j'ai grandi. Ah oui. Eh bien, nous venons à la prochaine chanson, Je viens vers toi, en duo avec Luna, qui est ici présente. Oui, qui est en train de faire des photos, là, maintenant. Merci, Luna. Eh bien, nous allons écouter ça. Je viens vers toi sans aucun signe de religion, mais comme un homme sans opinion, tout simplement je viens vers toi. Je viens vers toi tout simplement comme une femme à la recherche de cette flamme, tout simplement je viens vers toi. Nous, on s'en fout des préjugés, on veut simplement s'aimer et être heureux. Et vivre en paix. Nous, on s'en fout des préjugés. On veut être des étrangers qui aiment la vie et sa beauté. Vers toi, sans une croix, mais plein de charme, comme un homme qui porte pas d'armes, tout simplement, je viens vers toi. Je viens vers toi, toute naturelle et féminine, pour que tu m'emmènes dans tes béguines, dans toutes tes danses, je suis à toi. Nous, on s'en fout des préjugés, on veut simplement s'aimer et être heureux. Vivre en paix. Nous, on s'en fout des préjugés. On veut être des étrangers qui aiment la vie et sa beauté. Des préjugés,
préjugés. On veut simplement s'aimer et être heureux et vivre en paix. Nous, on s'en fout des préjugés. On veut être deux étrangers qui aiment la vie et sa beauté. Nous, on s'en fout des préjugés. On veut simplement s'aimer et être heureux et vivre en paix. Nous, on s'en fout des préjugés. On veut être deux étrangers qui aiment la vie et sa beauté. Après tes études primaires et secondaires et ton service militaire, tu as 20 ans, en 1975, tu décides de suivre des études à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Pourquoi cette envie? Qu'est-ce que tu y apprends pendant et combien de temps, quoi? En fait... Tu démarres comme un novice, on peut dire. Voilà, tout à fait. Et en fait, Je dessinais, j'avais le goût pour le dessin depuis l'âge de 6 ans. J'ai pris conscience de cela. Et au Cap-Vert, donc, je dessinais. À l'école, au lycée, tout le temps, dessinais sur les tables. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de punitions à cause de ça. Ouais. Et un bon jour, donc, pour résumer, un bon jour, il y a... mon oncle me dit, écoute... enfin, non, mon grand-père... Le papa de ma mère a dit, écoute, développe un peu ce don artistique de dessin. Et puis il me dit, pourquoi tu essaies d'aller dans une école? Oui. Au Cap-Vert, il n'y avait pas vraiment l'école de Beaux-Arts. Et, et puis, bon, un bon jour après mon service militaire, j'ai eu un petit problème au Cap-Vert, je veux dire... plutôt sentimental. J'avais envie de changer tout à fait de pays ou de lieu, voir autre chose. Et puis, bon, voilà, on m'a parlé de la Belgique, de l'Académie de Beaux-Arts, l'École de Beaux-Arts. J'ai dit, non, c'est directement la Belgique. Et voilà, en 1975, je suis arrivé à l'école Académie de Beaux-Arts, rue du Midi. Et là, j'ai fait mes 5 ans, 3 ans. On me disait que j'étais un élève très doué, donc je fais mes études Beaux-Arts, 2 certificats de fin d'études et un diplôme. Mais dans quelle branche? Rien que le dessin ou tu en es venu à la musique? Dessin. T'as dit le solfège et peut-être... Donc à l'Académie, donc c'était le dessin, peinture, histoire de l'art. Ah oui. Mais voilà, j'ai dit toujours, quand on... Voilà, on a un don, tu l'as. Oui. Une école, ça t'apprend à, bien sûr, améliorer ça, donc te donne quelques tuyaux, comme on dit. Et aussi, bon, puisque tu me parles de la musique, je n'ai jamais fait de solfège. Une fois, je suis rentré dans une école à niveau de solfège pour apprendre, mais ça ne m'a pas... Ça ne t'accrochait pas, quoi. Non. Donc je suis comme ça. J'ai un don, je pense, que j'ai écrit mes chansons comme ça. C'est comme un don. Oui. Voilà, j'ai mes paroles, ma musique que j'écris. J'ai ma petite guitare. Je cherche mes accords et puis avec des musiciens on arrange les chansons. Donc, je pense plutôt un don naturel. Naturel, quoi. Voilà. Mais il y a des musiciens qui ne connaissent rien, ni en partition. Moi, j'en ai un qui habitait à côté de mes parents. Et il avait des partitions, il ne savait pas les décrire. Hein. C'est ça. Il y avait des musiciens qui lui mettaient des astuces, mais il jouait naturellement. Et cela ne veut pas dire que je suis contre. Non. Voilà, c'est pas parce qu'on... Allez, tu as le don, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller dans une école ou améliorer, parce qu'en fait, si. On ne va pas vous inquiéter. On arrive à la prochaine chanson, Son regard est doux. Ah. Quelques mots là-dessus? Ah, ça c'est aussi... bon, tout le monde sait, ici en Belgique, quand on a eu l'affaire du trou, à l'époque. Et cette chanson, je l'ai écrite après l'affaire du trou, donc il y a des années. Et je suis content de quand même maintenant de le faire passer, parce que depuis des années j'avais envie quand même
Voilà, la vie continue, c'est vrai, mais des trucs comme ça, on peut pas oublier. On peut pas oublier. On peut pas oublier. Non. Je pense que c'est grave pour les parents. Quelque chose qui avait marqué la Belgique. Carrément. Voilà. Et malgré tout, ça continue, cette violence. Ça continue malheureusement. Voilà, donc. Eh bien, nous écoutons cette chanson. Merci, Christian. Qui est-il ce petit être qui court, qui rit fort dans la rue tous les jours? Qui est-il? Qui est-il? Ce petit être qui chante l'amour, qui n'a pas de défense, ni pouvoir, ni discours. Qui est-il? Son regard est doux, de nous il attend tout. C'est un cet enfant qui traîne là sans repère dans cette rue, mais pourquoi? Où va-t-il? Où va-t-il? Cet enfant que je vois s'éloigner sur cette route loin de moi. Où va-t-il? Qui est ce petit être qui faut protéger? De ce monde où les grands deviennent cinglés. Amant des hommes, des femmes, qui n'ont plus cœur ni âme, qui est ce petit être qui nous réclame? Son regard est doux, de nous il attend tout, c'est un doudou au regard. C'est simple, votre entreprise de vide-maison, vente et achat de belles brocantes dans votre région. Le Passé Simple, c'est aussi un magasin brocante ouvert à tous les chineurs. Les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 10 à 16 heures, 156 rue François Hitley à Jemeppe-sur-Sambre. Renseignements sur internet www.le-passé-simple.be ou 0496 326 510. Le Passé Simple, chaque objet a son histoire.
Pizzanini, rue Poète Charles Michel 2 à Wanfersébolet. C'est votre nouvelle pizzeria qui vous livre à domicile dans les entités de Fleurus et Sambreville ou à emporter sur place. Pizzanini est ouvert tous les jours sauf le mardi de 17 à 22 heures avec prolongation les vendredis et samedis jusque 23 heures. Pour toute commande de minimum 10 pizzas, nous vous livrons également sur le temps de midi. Pizzanini, 2 rue Poète Charles Michel à Wanfersébolet, c'est aussi de délicieux desserts et des plats préparés faits maison. Commandez vite au 071 17 90 76. 071 17 90 76. Vous êtes à l'affût de bonnes affaires et vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix, une seule adresse. Le comptoir universel de vente à Falisole, rue Raphaël 21. Le comptoir universel de vente, c'est une multitude de produits à des prix imbattables. Pour particuliers et professionnels, un large choix en déco, articles de cuisine, bricolage, articles pour enfants et produits d'entretien. Le comptoir universel de vente, une foule de bonnes affaires à faire. Ouvert les mercredis, vendredis et dimanches de 14 à 18 heures et le samedi de 10 à 18 heures. Renseignements au 0485 08 03 76 et sur Facebook Comptoir Universel de Vente. RMS. RMS, la vraie radio populaire. Avec RMS, chantez sans cesse. Cette maudite crise, est-ce que c'est vraiment la crise? Est-ce que c'est vraiment la crise? Si oui, je ne connais que la crise, alors laissez-moi rire. Si oui, je ne connais que la crise, alors laissez-moi rire. Ma crise de rire, j'aime autant vous le dire, elle n'est pas pour moi. De mes souvenirs, ma crise de rire, j'aime autant vous le dire, elle n'est pas pour ma pire que celle de mes rire.
Donc, on parlait que tu étais à l'Académie là-bas des Beaux-Arts, à Bruxelles. Oui. Tu es un élève doué, tu termines les études avec succès, en peu de temps. Deux certificats et un diplôme supérieur. Je suppose que tu as appris, c'est ce que j'avais sous-entendu, la musique, le solfège, et bon, des basses pour devenir peut-être chanteur, voire même apprendre un instrument, mais apparemment, tu n'as pas fait non, tout ça. Pas mais ça ne t'empêche pas quand même d'écrire tes textes. Tout à fait. Et de pianoter avec soit ta petite guitare, une guitare, synthé. Ma guitare. Donc habiller tes textes, quoi. Donc, en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, ma musique, enfin, la mélodie me vient comme ça. Parfois, je suis dans mon lit, j'ai une mélodie et directement les paroles. Oui, oui, oui. Je pars le sommeil, je vais dans le salon. Oui, oui, oui. Et j'ai un dictaphone, j'enregistre tout. Et ouais. Alors, après, avec la guitare, je trouve les accords. Et puis, bon, je vais vers des vrais musiciens, ceux qui, ouais, ont, ouais, ouais, voilà, qui connaissent bien la musique. Et ben là, on travaille. On va habiller le texte que tu as créé. Tout à fait. Ouais, mais sinon, ça me vient comme ça. Non, c'est parce que vu que tu avais fait les Beaux-Arts, je pensais en général, comme certains artistes le font, ben, c'est pas donné à tout le monde, ben, on étudie les bases du solfège, mais après on en vient à l'écriture musicale. Parce que de nos jours, beaucoup de chanteurs ne sont pas nécessairement des gens qui créent leur texte. Il y en a certains qui savent le faire, ils ont une idée de la nuit. Moi, je me souviens de Marc Arian, par exemple, qui était un monument. Ben, lui, il ne dormait pas la nuit, il cogitait, un peu comme on a Jean-Jacques Goldman, qui écrit pour beaucoup d'artistes. Hein, voilà, voilà. Ouais, ouais, ce sont des génies de création. Mais il y en a qui font des textes, mais ils ne sont pas automatiquement musiciens pour aligner des notes, pour habiller le texte est en mélodie, quoi. Moi, je pense. C'est voilà, tout un art, quoi. Un don du ciel, voilà, une chance, la chance que, voilà, d'être. Là, les deux titres que nous allons écouter, On vit encore et La voix n'a pas de couleur, ça je comprends, mais On vit encore. Pourquoi? Tu penses qu'on va mourir un jour? Ça oui. on vit encore, j'ai une chanson qui a été écrite pendant le moment du coronavirus. COVID. Ah oui, oui. Voilà, et on va écouter la chanson, ça, tout est là. Hein. Et moi, comme j'ai eu ça deux fois, c'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. J'ai vécu ça. Oui, oui, j'ai vécu, donc voilà, tout ce que j'ai chanté là, je pense que... Voilà, oui, j'ai... c'est ton ressenti personnel. Tout à fait, oui. Mm-hmm. Eh bien, nous écoutons ces deux chansons. Il est passé 22 heures, on dirait que la ville meurt. Sourire couvert et couvre-feu, on dirait une ville de vieux. Mais c'est pas qu'une illusion, une sale impression. Si on fait attention, et commente le son. On entend quelques chansons derrière les murs des maisons. Et puis un jour peut-être, on ouvrira grand les fenêtres et on chantera tellement fort que malgré tous les efforts, les prédicateurs de mort verront bien qu'on vit encore, qu'on vit encore. On souffle le froid et le chaud, les courbes montent et puis descendent. Bonne nouvelle ou mauvaise bande, mais c'est pas catastrophique, c'est rien qu'un graphique. Si on fait attention et commente le son, on entend des « je te veux » derrière les masques blancs et bleus. Et puis un jour peut-être, on ouvrira grand les fenêtres et on chantera tellement fort que malgré tous les efforts, les prédicateurs de mort
c'est pas l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est seulement une éclipse, c'est la terre qui gronde, un tremplin pour demain. Et puis un jour peut-être, on ouvrira grand les fenêtres et on chantera tellement fort que malgré tous les efforts, les prédicateurs de mort verront bien qu'on vit encore, qu'on vit encore. Établi depuis plus de 80 ans à Sambreville, le centre funéraire Moreau vous accompagne dès l'annonce du décès jusqu'après les funérailles. Le centre funéraire Moreau, c'est un grand choix et stock de monuments placés par nos soins. Conseils et devis gratuits, prévoyance obsèques et assurance décès. Le centre funéraire Moreau vous accueille dans un cadre chaleureux au 126 avenue Président Roosevelt à Tamines, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par son service de garde, contactable au 071 77 28 86. Plus de renseignements sur notre page Facebook et notre site internet www.moreau.defunt.be. Bienvenue chez Le Boucher à Jemeppe-sur-Sambre. Chez Le Boucher, pour tous les amateurs de bonne viande et charcuterie en colis ou à la découpe, un vaste choix de viande spéciale d'origine renommée. Chez Le Boucher à Jemeppe-sur-Sambre, un choix énorme de charcuterie et des spécialités fabrication maison. Pour une fête familiale ou entre amis, venez découvrir notre assortiment barbecue. Chez Le Boucher, chaussée de Charleroi 70 à Jemeppe-sur-Sambre, 071 786 230. Toute l'année, le haché porc et bœuf à 5 euros le kilo. Sport, sortie, resto, c'est le week-end sur RMS. Je suis sur scène le visiteur qui vient du soleil de la mer. Le Johnny Black, un enchanteur, l'amour fou de son cap-vert. Ma musique rythme au rendez-vous, c'est un instinct mon naturel. Et entre nous un rêve flou qui donne au rime un goût de miel. La voix n'a pas de couleur, mais des nuances à l'infini. Elle met la rage à la douceur, plus fort, plus haut comme le vie. Parfois je danse les pieds nus pour que la sève monte en moi. Alors je sens les gens élus tout prêt à me suivre pas à pas. Oui, je suis un oiseau des îles, porté par le souffle marin. J'ai fait aussi quelques idylles avec mon style dans le refrain. Comme la voix n'a pas de couleur, mais des nuances à l'infini. Elle met la rage à la douceur, plus fort, plus haut comme le vie. Comme la voix n'a pas de couleur, mais des nuances à l'infini. Elle met la
de ma terre. Comme la voix n'a pas de couleur, mais des nuances à l'infini, elle met la rage à la douceur, plus fort, plus haut qu'on ne le vit. Y'a pas d'amour sans tolérance, on ne peut voir qu'avec son cœur, sans s'arrêter en différence, car la voix n'a pas de couleur. La voix n'a pas de couleur. Alors, dans les années 80, la musique devient ton moteur de vie. Tu es chanteur, auteur, compositeur et interprète. C'est pour toi l'aboutissement d'un rêve. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Ben, cet épanouissement, quoi. Ça t'a fait un bien fou, quoi. Mais ça fait du bien, parce que moi, je dis que l'art, tout est lié. Hein. Donc, tu peux dessiner, tu peux écrire, peindre. Et la musique, même si je pense que même si... Allez, tu chantes pas, mais tu as la musique en toi. Et moi, j'ai de la chance d'avoir la voix. Et alors, je m'exprime à travers ma voix, mais je pense que la musique, tout est lié. Est-ce que tu as dû travailler ta voix quand tu as démarré, puis bon... Je présume que quand tu interprètes une chanson à tes débuts, hein, je reviens à tes débuts, ben, tu as dû... Je pense l'expérience. Écouter tes intonations, par exemple. L'expérience. Mais travailler vraiment, non. Non. Comme on disait, dans une académie... C'est un don, quoi. Oui, mais bon, au départ, c'est vrai que c'est difficile parce que tu chantes et puis tu as des problèmes de... Tu perds ta voix. Mais je pense que j'ai toujours, comme j'aime toujours, j'aime chanter, je chante tout le temps, même en dehors de spectacle. Et voilà, c'est ma façon à moi peut-être de répéter, de faire ma répétition. Et voilà. Moi, j'aurais bien voulu quelques mots sur le titre qu'on a écouté après les publicités. La voix n'a pas de couleur. La voix n'a pas de couleur, c'est pour dire que la voix n'a pas de limite de territoire, n'a pas de limite territoriale. Ou alors, c'est simplement pour dire la voix n'a pas de couleur en parlant des gens qui habitent en Belgique, qui sont de différentes nationalités, etc. Quoi. Tout à fait. Moi, je suis originaire des îles du Cap-Vert. On parle le créole, le portugais. J'en rentre en Belgique. Et la langue française, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et ce que je voulais dire là, parce que parfois, je suis pas en train de dire du mal de personne, mais pas mal de gens, enfin surtout de mon pays, me disent mais pourquoi tu ne chantes pas que des chansons du Cap-Vert, ou alors pourquoi tu ne sors pas des chansons du Cap-Vert? Ok, j'en ai déjà, j'ai des chansons en créole, en portugais, mais moi je me dis, c'est ici en Belgique, je vis en Belgique depuis 48 ans et je ne vois pas pourquoi je ne dois pas chanter en français. Et alors, j'ai des artistes comme par exemple Johnny. Je fais la découverte de Johnny, qui chante en français. Pour moi, c'est vraiment le chanteur qui me va droit au cœur. Et alors, je dis oui, pourquoi on ne doit pas chanter en français, en anglais, en italien? Il n'y a pas de frontières. Voilà. Donc, c'est comme j'aurais pu dire, il n'y a pas de frontières. Je dis, il n'y a pas de couleur. Parce qu'en tant que basané noir, peux chanter, je pense que, tu peux chanter d'une chanson d'un chanteur, une chanteuse blanche, entre guillemets. Parce que j'aime pas seulement ni noir ni blanc, aussi vice-versa. Pourquoi il n'y a pas un chanteur blanc qui va chanter des chansons des Africains ou noirs américains? Donc moi je pense on doit arrêter avec toutes ces histoires.
La voix n'a pas de couleur. Voilà, c'est... Chantons. T'as envie de chanter... Absolument. En toute langue, chante. Même en chinois, voilà, si tu sais, il faut le chanter. Ça existe, voilà, il y a des, aux États-Unis, il y a des personnes, je veux dire, de couleur blanche qui vont chanter des musiques, oui. Des afro-américains, oui, 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 etc., au niveau du jazz, etc. Ah, ben, nous avons une amie commune, oui, oui, oui. Qui s'appelle Pascaline, Pascal. Ah, oui, j'admire Pascaline. Oui. Elle chante du jazz, et va prendre du... Aller des grands je l'ai contacté, classiques, mais j'attendais ça. Noir, américain, oui, oui. C'est génial, voilà. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Oui, oui, oui. Quelques mots sur les deux chansons qui vont suivre. Mmh. Juste une voix et deux hommes libres. Ah, juste une voix. Voilà, je disais, voilà, je parlais de Johnny. Juste une voix. Dans un rêve après la mort de Johnny. J'ai eu comme dans un rêve cette mélodie, oui. Ces paroles, c'est comme si on m'a envoyé ces mots pour chanter. Pour chanter. Pour Johnny. Ah, d'accord. L'idée. Pour rendre hommage. Je parle d'un à aigle, Johnny, m'a soufflé ces mots-là. Oui, oui. Voilà, mais c'est quelque chose voilà, qui est venu comme ça, parce que c'est j'aime. C'est un petit peu une dédicace à Johnny, quoi. Dédicace à Johnny. Ouais. Voilà, tout à fait. Eh bien, on écoute. Vécu comme des éclairs, au rythme qui me colle, au cœur, au corps comme un mystère. Il m'a soufflé à l'oreille ses paroles, j'ai vu son univers, et même s'il était seul, il t'a ramené sur terre. Qui est toujours là au fond de moi.
suis venu ici pour toi. Et c'est la vie qui nous ressemble. Un jour ou l'autre, tu verras. Tous ceux qui en toi me ressemblent. On marche pareil maintenant, en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qu'il défend, deux hommes libres à leurs dépens. Je suis parti comme il se doit. Quand le monde guérit, de pays chaud en pays froid, je suis parti sans réfléchir, la tête en l'air, au cœur d'artiste, pour que survive l'aventure. Le destin m'a donné un fils. Je m'arrête maintenant en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qui défend, deux hommes libres à leurs dépens. T'as choisi de faire le cap vers une terre arable. Puis naquit ton fils un métis à tête d'arabe. On porte toutes une mélodie dans nos vocables. Pour preuve l'occasion ici d'en faire un rap. Et oui c'est sans blague et sans faux semblant qu'on est semblable, donc ressemblant. Toi l'homo sans blague et moi au semblant. Comme quoi on est toujours plus grand, on sera semblant. On marche marais maintenant en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qui défend, deux hommes libres à leur dépens. La vie ne nous fait jamais peur. De la nuit on connaît le monde. Lui ses ennuis, moi mes erreurs. Toujours la même longueur d'onde. On marche pareil maintenant, en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qu'il défend, deux hommes libres à leur dépens. On marche pareil maintenant, en regardant loin droit devant. En regardant loin droit devant. La vie ne nous fait jamais peur. De la nuit on connaît le monde. Lui ses ennuis, moi mes erreurs. Toujours la même longueur d'onde. On marche pareil maintenant, en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qu'il défend, deux hommes libres à leur dépens. On marche pareil maintenant, en regardant loin droit devant. Chacun l'avenir qu'il défend, deux hommes libres à leur dépens. Tu chantes de tout, des musiques des îles, du Brésil, de la variété française, jusqu'au rock, pour lequel ton idole et modèle est Johnny Hallyday. Pourquoi? Ah,
Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionné pour Johnny, enfin? Nous aimons Johnny, hein. Voilà, je reviens toujours. Je rentre en Belgique. Oui. Et à l'Académie de Beaux-Arts, on écoutait de tout. Oui. Claude François, Mike Brown, oui. Michel Sardou, Dalida, et puis, un bon jour, bon, moi j'entendais Johnny. Directement, moi j'ai eu mon cœur s'est flashé. Oui, oui, oui. Et un ami de l'Académie de Beaux-Arts m'a emmené chez lui. Non, c'est plutôt le contraire. Je viens chez ce gars, il habitait un immeuble au 12e ou 13e étage. Il était presque 2h l'après-midi. Et puis il allume la télévision. Je vois ce chanteur tout blond. Ouais. Vraiment rock. Et qui chantait Requiem pour un fou. Ah oui, Requiem. Et je lui demandais qui c'est. Bon, je parlais mal le français. Je dis qui c'est ce chanteur. Il dit bon, tu sais, c'est un Belge, un Français. Un fou, mais ça va pas durer longtemps. Et moi, avec mon petit français, là, mal, je dis, il va durer longtemps. Oh, oui. Et depuis lors, 1975, jamais, ça m'a jamais quitté. C'est un monument. Voilà. Hein. Un monument, Johnny, voilà. Et c'est, oui, pour moi, il y a eu bon, Elvis, je dis toujours, enfin, vous savez mieux que moi, Johnny, c'est devenu Johnny grâce à Elvis. Absolument. Donc pour moi, oui. C'est le king. C'est le king. Ben, le king français, oui, belge. Oui, oui. C'est le king. Il restera toujours. On parlera. Mais Johnny lui-même aimait Elvis, avait en cœur Elvis. Absolument. Il en parlait souvent. Ah oui, lui, il a eu aussi le flash. Donc c'est Elvis. Tu vois? Et moi, j'ai eu ça. Bon, Johnny, voilà, on me pose la question, le pourquoi, pourquoi pas James Brown ou Stevie Wonder ou Ray Charles. C'est Johnny. Cela dit, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont aussi bons, je veux dire, des grands artistes. Mais comme Johnny, je pense que c'est difficile à trouver. Il a traversé beaucoup d'époques, de variations de son, de style, puisque bon, les années 80 et le disco après qui est arrivé et tout ça et voilà. Ses joies et ses peines, il a toujours su la force, rage. Il a voulu garder sa ligne, un grand monsieur, voilà donc chapeau. Quelques mots sur Je m'en sortirai. Je m'en sortirai tout au début, quand on avait commencé l'émission, j'ai parlé d'une déception amoureuse. Oui. Voilà. Et on doit dire, moi, je suis pour la vérité. Il y a beaucoup de gens qui cachent les choses. Ils disent, la vie continue, il faut oublier le passé. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de présent sans le passé. Oui, c'est le passé qui nous emmène à ce présent, quelque part, et qui nous font progresser. Et puis, bon, voilà, pourquoi il faut oublier. C'était mon premier amour, en fait. Oui. Et j'étais jeune, j'ai souffert, et c'est une des raisons que je suis parti en Belgique oublier cet amour-là. Et de nouveau, bon, quand on aime, cette personne est venue en France et m'a relancé, rebelote. Je tombe de nouveau sur ses charmes. Mais bon, voilà, c'était pas la personne pour et moi. Et puis, tu as dû t'en sortir, et c'est pour ça que tu as créé et cette Et c'est pour chanson, ça que je dis cette chance. Oui, je m'en sortirai, bien sûr. Et voilà, je pense que je m'en sors. Tu as dû lutter au fond de toi. Parce que ça fait mal, ça fait mal. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'oublier, on n'oublie jamais. On oublie. Premier amour, c'est. Quand c'est vrai, on n'oublie pas. Mais bon, voilà. Mais on passe à autre chose. La vie continue. Il faut avancer. On a d'autres sortes d'amour. Il faut avancer. Absolument. Comme je dis, c'était pas la personne pour moi. Moi, je pense que je l'ai aimé, mais elle m'a pas aimé. Oui, voilà, oui, donc. Oui.
Eh ben, nous écoutons ça. Je suis toujours vivant quand tu peux le voir à présent. Malgré quelques rides sur mon front marquées par le temps. J'ai vécu, je ne sais même pas comment. Comme un chien sans collier, j'ai traîné mes tourments. Et pourtant, je suis toujours vivant, ma belle cruelle qui m'oublie. Comment vas-tu là-bas? Est-ce que tu es toujours si jolie? T'en fais pas, sans moi, continue ta vie. À présent, mon enfer devient mon paradis. Aujourd'hui, je m'en sortirai. J'ai connu d'autres amours déçus et d'autres souffrants. J'ai vécu des histoires d'amour honnêtement. Jusqu'au bout, j'ai payé le prix de mes malchances. À ton absence, je suis toujours vivant, ma belle cruelle qui m'oublie. Comment vas-tu là-bas? Est-ce que tu es toujours si jolie? T'en fais pas, sans moi, continue ta vie. À présent, mon enfer devient mon paradis. Aujourd'hui, je m'en sortirai. À Tamines, le restaurant Pizzeria C'est Bon vous propose de succulents plats italiens, des pierrades, pavés ou entrecôtes de bœuf cuits sur pierre à votre table. Venez découvrir nos suggestions et menus à prix sympa. Restaurant C'est Bon, avenue Président Roosevelt 102 à Tamines. Cuisine ouverte du jeudi au samedi de 18 à 22 heures. Et tous les 15 jours, soirée avec artistes et karaoké. Infos et réservations au 0479 72 46 23 ou 0479 47 29 74. Sur internet, restaurant-cestbon.be. RMS, la vraie radio populaire. La vraie radio populaire.
caressant. Ma bota dentro mio coração, che bocciora lágrima di dor, e credita nes mio amor. Ta vie va être un corps de sang. Palavras d'amour, na vou pensar. Que vou chorar lágrimas de dor. E acredita nesse minha amor. Sinta pensar na vou. Minha gratidão. Pai, minha mãe, porque não? Ele sabe se onde Deus nasceu. Que um dia nota encontrar. Minha sinceridade nessa canção. Ele é palavra de amor. Favor, minha mãe, minha grande amor. Mãe, é tão dura essa separação. Coração, que eu vou chorar lágrimas de dor, e acredita nesse meu amor. Sinta pensa na voz, minha gratidão é favor. Vou e amar, porque é de meu. Ele sabe se onde Deus nasceu, um dia não está encontrado. Ceci est ton premier album. En combien de temps tu l'as réalisé au niveau texte, chanson, habillage musical et surtout en enregistrement studio? Combien de temps a-t-il fallu pour réaliser tout ça? Un an pour réaliser cet album. Mais bon, les chansons, comme je disais tantôt, il y a des chansons que ça date de 20 ans, mais qui ne sont jamais sorties. Et voilà, un projet de longue date. Et là, je suis vraiment fier du résultat. Grâce à des artistes comme Frédéric Lamoury.
Hein, Frédéric, c'est bon. Frédéric Amoury, à Anna Rian Mouto, oui, qui a écrit des textes, une chanson. Donc, je n'ai pas fait réaliser ça tout seul. Oui, oui, oui. Et pas mal d'artistes. Etienne Truquen, son studio, voilà, qui lui est fort connu, Etienne Truquen. Fort connu, qui a bien, ouais, moi, ouais, je trouve superbe ses arrangements. Parce qu'en fait, je lui ai donné les chansons. J'ai envie de moderniser un peu certaines chansons. Il a bravo. Et voilà. Est-ce que tu penses que si tu ferais un album en créole, musique créole, est-ce que ça pourrait marcher en Belgique? Mais tu m'as posé la question, tu m'as dit c'est mon premier album. Mais en fait, non, j'ai un album en créole et en portugais. Oui. Parce que j'ai chanté beaucoup pour les Portugais, en fait, portugaises un peu partout, oui, à Saint-Gilles, oui, 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 au cinquantenaire, beaucoup de monde. Et là, j'ai présenté il y a 7-8 ans, j'ai présenté mon album en créole et en portugais. Voilà, mais j'ai fait quelques singles, droite à gauche, et voilà. Mais album, vraiment, un album. Et les musiques en créole sont des musiques qui invitent à danser, qui bien sont sûr très rythmiques, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, de voir, quoi. En créole ou du Cap-Vert, donc il y a un style. Je pense à la compagnie créole que beaucoup ça de gens connaissent, quoi. C'est un peu ça. C'est des chansons d'ambiance et. Bien sûr, voilà, bien sûr, qui fait danser. Quoi. Comme alors aussi, chez au Cap-Vert, il y a ce côté fête. On s'éclate, on chante, mais on danse. Mais il y a ce côté aussi plus mélancolique, qu'on appelle ouais, morne, dans le style de musique, morne. Blues du Cap-Vert. Et César Évora, une dame que j'ai connue, donc la dame, madame aux pieds nus. Donc la diva aux pieds nus. Et au Portugal, c'est beaucoup du style fado. Ah oui, là, c'est ça, fado, vira et tout ça, oui. On est en train de feuilleter ici un bouquin que tu as fait, toi, et on voit une photo de Yannick Noah, qui chante en créole aussi. Oui, Yannick Noah, chante en français, alors il chante... Est-ce qu'il chante en créole? Non. C'est parce pas que le créole, c'est... Lui, c'est origine camerounais, sa maman française. Ouais, donc, cette photo-là, j'ai rencontré Yannick Noah il y a quelques années d'ici à Bruxelles, parce qu'il avait un projet pour aider les jeunes dans le tennis. Et je l'ai rencontré dans un endroit, donc, avec ces jeunes, mm-hmm, en fait. As-tu beaucoup de contrats en Belgique et autres pays? Et de manière générale, quels sont les endroits que tu aimes te produire? Est-ce que ça peut être des fêtes privées, mariages, anniversaires, ou tu préfères des podiums avec d'autres artistes, voire seul? Moi, c'est bon choix. C'est oui, comme on dit, je prends mon pied avec des musiciens. Oui, oui, oui. Des musiciens. J'ai des musiciens qui m'accompagnent. Qui voilà, de 2 jusqu'à 8. Mais c'est vrai que j'aime aussi chanter, sur une scène, seul aussi. Ouais. Et ou accompagner, par exemple, duo, par exemple, avec Luna qui est là, qui chante aussi. Et, mais de préférence, oui, avec des musiciens, oui. Donc, rien ne vaut quelque chose en live. Vraiment. Oui, 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 oui. Voilà. C'est plus beaucoup chaleureux, quoi, hein, que de chanter avec des bandes, quoi. Hein, oui, c'est, oui. C'est une bande, voilà, c'est pas toujours bien, parce que tous les, voilà, ça peut arriver des imprévus. Ah, oui, 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 mais avec des musiciens, tu connais, tu fais une faute, le guitariste il reprend, il n'arrête pas. Le batteur continue. En fait, c'est ça. C'est live. Eh bien, nous arrivons à la 12e chanson, Je serai là. Quelques mots là-dessus? Ah, Je serai là. C'est une chanson que... Ça, voilà. C'est la première fois que je fais une reprise d'une chanson Johnny, je veux dire, enregistrée. Je serai là, c'est une chanson, je ne sais pas si vous avez vu, quand Johnny est passé, c'est Parc des Princes, quand il traverse... Merci. Oui, Parc des Princes, où beaucoup de monde...
Alors il va juste à la scène, oui. Il commence cette chanson, je pense, Je serai là, c'est un souvenir incroyable. Ouais. Et voilà, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus de mon interprétation. Je le fais à ma façon, donc voilà. Parce que j'aime Johnny. Eh ben, je propose, sans pas. Pour cela se prendre pour celui que je ne suis pas. Eh bien, je propose. Il de restera le king, le rock, le roi. Il y a Johnny dans la peau. Hein, Johnny. Ça, ouais. Eh oui, on écoute ça. Sur tous les chemins de ta vie, dans le désert ou sous la pluie, quand tu voudras, je serai là. Que tu viennes d'un château, de nulle part ou d'un ruisseau, quand tu voudras, je serai là. Je serai là, si tu veux, comme ces rêves tu renverras, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Tu es là, je serai là. Dans le souffle d'un vent géant, dans le sourire de printemps, quand tu voudras, je serai là. Dans tes moments de solitude, dans le confort ou la détendue, quand tu voudras, je serai là. Je serai là, si tu veux, comme ces rêves qui rendent. Ta vie, je serai là si tu veux, comme la vie qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Si tu es là, je serai là. Dans tes yeux ou dans ton sommeil, quand tu dors ou quand tu t'éveilles, quand tu voudras, je serai là. Je serai là, si tu veux, comme ces rêves tu rends heureux. De ta vie, je serai là si tu veux, comme la vie qu'on vit à deux. Si tu es là, je serai là.
Si tu es là, je serai là. Si tu es là, je serai là. Universel de vente, rue Raphaël, face au numéro 21 à Palizol. C'est un vaste choix de casseroles et poêles à prix sympa. C'est également de nombreux produits ménagers à partir de 1 euro. Tout style d'oreiller à 5 euros seulement. Et de nombreux petits électros à prix plancher. Sans oublier de bonnes friandises à partir de 1 euro. Alors vite une petite visite au comptoir universel de vente, rue Raphaël, en face du numéro 21 à Palizol. Ouvert les mercredis et vendredis de 14 à 18h, le samedi de 10 à 18h et même le dimanche de 14 à 18h. Retrouvez le comptoir universel de vente sur Facebook. Info 0485 080 376. 0485 080 376. Laver le carrelage, faire les carreaux, passer l'aspirateur, faire les poussières, trier le linge, les blancs, les couleurs, repasser les chemises et les pantalons de monsieur. Nous avons tous rêvé d'un petit coup de main. Alors n'hésitez pas un seul instant, contactez BBM Home Service. BBM Home Service, c'est une agence de titre service agréée par la région Wallonne, spécialisée dans le nettoyage, le repassage et la lessive. Notre devise, travail sérieux et rapide. Contactez sans tarder BBM Home Service. 0 494 126 325. 0 494 126 325. Et tout sera propre d'un coup de baguette magique. Voilà. Eh bien, Mamano, je voudrais savoir quels sont tes projets futurs. Les dates éventuellement de tes prochains spectacles et où se déroulent-ils? Le prix de l'album? Et je pose plusieurs questions, bien sûr. Comment prendre contact avec toi si un organisateur nous écoute ou un restaurant, puisque maintenant il y a quelques restaurants qui font venir des chanteurs pour faire un repas agrémenté, et ou acheter cet album, voilà. Comment on peut prendre contact avec toi, des gens qui sont peut-être à l'écoute? Alors, pour ça, donc, vous vous dressez ici à la radio. Ils ont mon numéro de téléphone, oui, mon contact Facebook, ainsi que voilà, mon site internet aussi. Sinon, voilà, pour le disque, pour le CD, Amazon, où on sait le trouver. Et de nouveau, je dis, sur Facebook aussi, on peut me contacter sur mon message privé ou chez vous. Et quel en est le prix? C'est souvent une question qu'on nous pose. Hein. Alors, l'album, moi, je le vends à 15 euros. Oui. 15 euros, c'est 13 types. Oui. Voilà, si je dois envoyer ça par la poste, bon, hein, pour les frais, voilà, je fais 20 euros. Et j'ai dit toujours, si on n'est pas content, remboursez. Donc, si vous n'êtes pas content, moi, je rembourse. Et quels sont tes futurs projets et les dates éventuellement de tes prochains spectacles pour les gens qui voudraient te voir en direct, quoi? Ici, maintenant, j'ai de droite à gauche les radios, oui, ainsi que voilà, les démarches pour faire la promotion du CD. Prochain spectacle, pour l'instant, je n'ai pas de date vraiment prévue. Oui. Normalement, j'attendais pour Nouvel An. Noël ou Nouvel An, on avait un projet pour Noël. Malheureusement, ça va pas se faire. Ah, oui, oui. Et parce que bon, c'est un moment où les gens préfèrent rester en famille. En famille, oui. Et surtout, oui, actuellement, pour partir en voiture, bon, c'est la fête, il faut on boit un petit verre. Ouais. Aujourd'hui, c'est très compliqué. On n'ose plus boire un verre. Hein. Nouvel An, malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles. Voilà. Une personne qui m'avait proposé, mais sinon après je vais après Nouvel An, donc 2023, je vais mettre sur Facebook mes dates où je communique mes dates des concerts. Mais pour l'instant, c'est plutôt la promotion
le CD et me reposer un peu parce que c'est pas toujours évident courir droite à gauche. Non. Eh bien, au nom de notre président Eddy, de mes collègues d'animation, sans exception, toutes les personnes réunies qui sont animateurs ici dans cette radio, de mon collègue technicien Fabrice que je remercie, de moi-même, merci, nous te remercions de ta visite et ta compagne qui chante aussi avec toi de ce très beau duo. Nous allons terminer sur la dernière chanson, Au Luar. C'est pour le chocolat. Oui. Son nom, Gianni. Notre ami Gianni. Fabrice, et à toi Chris, un grand merci. Voilà, on a passé un bon retour. Ça passe tellement vite, on a passé un moment formidable. Une bonne continuation à toi. Merci pour le chocolat. Au plaisir de te revoir au prochain album. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. RMS, le royaume de la chanson populaire. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. La vraie radio populaire.